Les digues n'ont pas résisté à la force des vagues. La mer a tout emporté sur son passage. Ce matin, le port de plaisance de Cargès ressemble à un vaste chantier. Les box des 8 pêcheurs de la commune sont éventrées, le matériel et les filets éparpillés ou engloutis. Un désastre pour les professionnels déjà fortement impactés par une tempête il y a un an. Là, on ne redémarre plus, c'est fini. Hein. On doit encore de l'argent de la tempête de décembre. On n'a plus de fonds, on n'a plus de matériel. Là, s'il n'y a rien qui est fait, c'est fini, on n'a plus de travail. Hein. Le responsable du port, lui, est encore sous le choc du sauvetage qui a eu lieu ici cette nuit. Deux touristes allemands à la dérive sur ce catamaran. Pris en charge par les plongeurs, ils sont sains et saufs. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de l'état des lieux. Les plus gros dégâts sont assurément au niveau de la jetée, qui a dû légèrement s'affaisser un peu plus, au niveau des appontements, qui ont souffert un petit peu de ces vagues de submersion, et de tout ce qui est, puisqu'on le voit derrière moi, de tout ce qui est l'enrochement et la protection naturelle, enfin, créée par la mairie pour le port, pour protéger le port. À la capitainerie, le maire reçoit déjà les services de l'État. Vu l'étendue des dégâts, il espère que sa déclaration aboutira à un classement en état de catastrophe naturelle. On espère que cette fois ça va marcher et qu'on va enfin prendre en compte les études qu'on a mis en cours déjà depuis 3-4 ans qui nous permettraient de réparer, puisque maintenant on en est à réparation et puis renforcement, ces digues qui ne suffisent plus, on y est là. Et j'ai du mal à faire comprendre que les lenteurs administratives c'est bien beau, mais à la fin ça finit par coûter très cher à tout le monde. Une étude qui restera sans doute dans les cartons. Désormais, il ne s'agit plus de sécuriser, mais de reconstruire.